Mathéo Langlois, l'un des artistes invités pour l'Université de Limoges, enregistré sur le campus des Jacobins, sans public, crise sanitaire oblige, salle fantomatique. Qu'est-ce que ça fait de jouer sans public, Mathéo? C'est un peu particulier. Alors, voilà, heureusement qu'il y avait quand même les techniciens et puis d'autres membres de la famille et les amis, si t'inquiète. Et c'était plutôt agréable finalement quand même de les sentir là. À part apporter un peu de musique à des gens qui seront de l'autre côté de l'écran, et je suis content de ça, mais tu vois, c'est. En fait, j'ai pas envie d'appeler ça un concert, j'ai envie d'appeler ça quelque chose de différent. Mais voilà, je suis quand même content de le faire, mais surtout parce qu'il y avait un peu de personnes sur place. Voilà. C'est une ambiance particulière, en vrai, c'est difficile de trouver les mots encore, c'est des choses nouvelles pour moi. C'est énergivore, j'imagine. Ouais, bah. Du coup, en concert, t'es quand même dans une relation souvent avec le public où il te donne de l'énergie beaucoup, mais pas forcément parce qu'il applaudit ou qu'il fait du bruit, juste parce qu'il est là en fait. Et que ça respire avec lui. Et c'est un truc au-delà des mots. Et c'est vrai que quand il n'y a pas ça, ben, c'est. Ouais, t'envoies à sens unique, quoi. Tu donnes l'énergie, ça revient pas forcément, donc c'est un peu bizarre. Voilà. Du coup, ça, bon, moi, je trouve ça un peu triste, mais après, je trouve que. Je sais pas encore, je suis quand même content de jouer, de pouvoir offrir ça à des gens qui le regarderont, et aux techniciens qui étaient là, et au peu de public qui était là. Concert 2.0, finalement, c'est comme une répétition. Ouais. Non. C'est entre les deux, ouais. Vous avez 25 ans, vous êtes auteur, compositeur, interprète, il y avait là énormément de dates. Alors, il y a eu quelques dates annulées. Ce qui est surtout dur à vivre, c'est que c'est au jour le jour. En fait. On ne sait pas trop, comme tout le monde, si ça va s'annuler la veille. Donc, c'est un peu les montagnes russes, parce que tu te prépares à aller en concert, quoi. Et puis ça. C'est limite encore plus dur pour mon équipe, genre le management et la prod, que pour moi en fait, parce que eux organisent vraiment beaucoup de choses en fonction de chaque date, et quand tout ça, ça part. Bon, bah. Après, nous, on est chanceux sur ce genre de format solo, chanson, dans des petits endroits. Finalement, si je voulais, on garde quand même pas mal de concerts en fait. Donc, moi, je m'en sors pas mal. Parlons des choses positives. Vous avez cumulé les concerts, les lauréats. Le premier en 2016 avec le prix Claude Nougaro, le Pic d'Or en 2019. Là, en 2020, le prix Moustaki. Bon, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'on ne va pas tous les retenir sans vous vexer. Quelles sont vos inspirations, vos influences? Elles sont multiples pour vous, Mathéo. Ouais, c'est une question très très compliquée. Puis surtout que je suis multi-instrumentiste, et auteur aussi, donc ça va vraiment dans tous les sens. J'aime souvent dire que je préfère laisser le soin aux gens de s'y retrouver. Bon, je sais pas, ça part vraiment partout. C'est un univers très particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Je t'en dis comme ça, je sais pas. Il y a André Mainviel, il y a Stan Getz, il y a Charlie Chaplin, il y a Bobby McFerrin, il y a Björk. Charlie Chaplin. Complètement. Ouais, surtout corporellement. Parce qu'il y a pas mal de gestuels, de danse dans le spectacle. Et je trouve ça très très poétique. Et moi, c'est une de mes sources, une grande source d'inspiration, de joie. Perfectionniste, hein, Charlie Chaplin. Oui, peut-être qu'on Ouais. a. Je sais pas, je suis peut-être un peu plus punk que lui quand même, Alors, mais. Peut-être pas non plus les mêmes capacités. vos influences, du moins, voilà, on y retrouve le piano, le saxophone et le beatbox. Pour ceux qui ne connaissent pas, la traduction pure en anglais, Bruit de c'est bouche. boîte à rythme, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Alors, C'est c'est né ça. dans les années 70 dans le Bronx. Vous pouvez nous faire une démo là, comme ça, en direct? Et bah, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Enfin, c'est. Tout le monde connaît les trucs du genre. Mais après, le beatbox, je suis pas un expert. Il y en a qui mélangent avec des sons de basse, par exemple, qui Après, pour moi, du beatbox, c'est aussi genre les trucs de yodel, de machin, je sais pas moi. Tu peux aller. Qu'est-ce que je trippe en ce moment avec ça, je veux dire. Attends. Peux On faire dirait ça du n'importe. didgeridoo, ça. Ouais, c'est ça qui est génial avec la voix, tu peux faire plein de sons. Vous aimez bien l'improvisation, vous éclatez alors que ce soit sur la scène, sur les réseaux sociaux. Par contre, bizarrement, vous êtes quand même très timide au quotidien. Ouais, c'est une espèce de. Comme beaucoup d'artistes, je pense que j'ai un monde complètement où je me libère beaucoup dedans. En partie parce que j'arrive pas à le faire dans la vraie vie. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique, ouais. Et puis tout ce qui touche à. C'est vrai que tout ce qui touche au spontané, à l'impro, moi, c'est des choses que j'adore.
Et d'ailleurs, ça pose souvent problème. J'arrive jamais à décider d'une setlist. Et puis un morceau, je déteste le faire deux fois de la même manière. Ça m'angoisse. Et Comme Charlie Chaplin. peut-être, ouais. Alors, Ça a commencé comment la musique pour vous, Matteo Longoa? dans les bras de ma mère. C'est C'est-à-dire? vrai, en vrai, elle était bon, elle a Elle vous une maigre chantait? carrière de chanteuse de jazz. Mais pendant que j'étais, oui, je tétais au jazz. Elle avait un groupe où je répétais. Je pense que je l'ai eu très très tôt dans les feuilles. Et après, toute ma musique du côté de mon père et ma mère, beaucoup de gens jouent au niveau professionnel ou amateur, mais tout le monde joue, ça chante ensemble, ça raconte des histoires. On aime bien la poésie aussi. C'est vrai que j'ai toujours eu ça autour de moi. Et du coup, y a pas de secret. Ça Ça a fait nourrit. son chemin, bah ouais, carrément. Et du coup, c'est pas déstabilisant pour les proches, pour vos proches du moins, quand on dit bon, bah, je vais me lancer dans la musique, je vais en vivre. Non, 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 et moi, ils ont été très très cool avec ça. Bah, là, ça fait un moment que je me suis lancé. Ça fait un moment et ça fait pas longtemps que je suis autonome. Donc oui, forcément, ça peut inquiéter, puisque c'est des chemins qui sont pas faciles. Surtout quand tu te lances dans des choses, dans des groupes de création, quoi. C'est vraiment instable. Mais je suis très très fier de pouvoir vraiment là avoir fait le statut il y a 2 ans, de vivre avec ça. Ça a été, il y a eu des longues phases de survie, ouais. Bon, après ça va, on est en France, on a à manger, on a chaud, mais oui, il y a eu des petites phases un peu hard. Mais Quand... les parents ont toujours soutenu, pardon, c'est ce que je voulais dire. C'est oui, c'est ça aide du coup quand on a des parents Ouais. musiciens, j'imagine. Mais quand vous dites autonome, ça veut dire quoi? Vous dépendez de personne d'un point de vue de production? Vous signez avec... Financier, surtout, je pense surtout à ça, genre vraiment juste les besoins primaires, quoi. Et puis après, oui, autonome, là, dans le sens où le projet tourne de lui-même. Ça, il y a des choses qui. Des réseaux, des cercles qui sont ancrés. Enfin, en gros, je me suis installé dans un réseau professionnel qui me permet de me sentir plus léger aussi. J'ai moins de choses à. Enfin, moi, j'ai tout encore à prouver et à explorer, si tu veux. Mais là-dessus, il y a quand même. Ouais, je peux pas nier une sécurité qui fait du bien. Et vous, vraiment, votre but, c'est de décoder les cases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut dire quand tu es. Qu'est-ce que c'est la sensibilité de chacun dans un système avec des conventions morales et intelligentes, je veux dire, pour fonctionner ensemble, et des normes, et à mon sens, des choses établies, dont tous les métiers, notamment celui de la musique, sont en perpétuelle réinvention. Je sais pas si tu me suis, mais en gros, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à changer. Et notamment dans l'art, des choses qui me saoulent un peu. Comme quoi? Comme quoi, comme la récurrence, en grosse partie liée à la marchandisation de la musique, tu vois. Mais c'est le fait, voilà, t'as dû. Je veux accuser personne et critiquer personne là-dedans. Je veux surtout dire qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir, que la musique, elle n'est pas finie, et que je respecte toujours les artistes qui prennent des risques à explorer, à se découvrir. Et il y a vraiment une notion de prendre un risque. Et pour ça, il faut remettre en question les normes et les cases qui sont préétablies. Et c'est Donc très vous ne important. faites pas ça pour vendre, vous faites vraiment ça pour vous, par Bah passion donc. ouais, d'ailleurs, je galère pas mal avec tout l'aspect vente. C'est là, voilà, c'est compliqué hein, d'appliquer un discours comme ça au quotidien. Donc oui, comme on fait, ouais, comme tout le monde, on s'adapte, on fait des concessions. Mais ce que je vise, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est j'aimerais bien constamment m'amuser, en découvrir et proposer des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été vues, pour s'éclater. Parce que pour moi, c'est profondément lié à ça aussi, à s'éclater, à la joie. Il y a pile poil un an, vous avez sorti un EP. Ce qu'on appelle EP, en fait, c'est un album court. Court. Tout à fait, c'est ça. Je crois que ça ne doit pas dépasser les 35 minutes ou un truc comme ça. Et oui, c'est un 5 titres. C'est le premier officiel que j'ai sorti. Il y en a eu un autre avant, qui était un 4 titres, juste piano-voix. Et celui-là, voilà, je l'ai sorti après, parce que je venais de rajouter du saxophone, du beatbox, du clavier, qu'il y avait un univers musical qui se mettait en place. Et c'était aussi une petite zone d'expérimentation. C'est quand même sympa le studio pour ça. Ouais, une maturité qui s'est Voilà. mise en place aussi, ouais, j'imagine. Et du C'est coup, ça. là, le projet à venir, d'autres EP ou est-ce qu'on vise l'album bientôt, Matteo? Ouais, je suis pas mal dans plein de trucs en même temps. J'aimerais bien enregistrer toutes les compos que là je commence à plus jouer parce que ça fait longtemps qu'elles existent. Et il y en a plein. Donc oui, l'album il va finir par arriver. C'est-à-dire, en tout cas, il y a de quoi faire, ça c'est clair. Et là, dans l'immédiat, je pense à m'entourer de musiciens
et aller, franchement, je peux te le dire, vers du spectacle debout. J'avais envie de créer quelque chose autour de la danse, vraiment de la danse et de la trance, et de continuer à péter les cases Et à s'amuser. et à s'amuser carrément. C'est combien d'heures de travail pour chaque morceau pour nous donner une idée du travail que ça demande, de l'implication, des heures? C'est difficile comme question parce que c'est. Puis moi, je joue toujours un peu, tout le temps, en fait, donc j'aurais du mal à quantifier. Mais je pense que. Je sais pas. Autant il y a des morceaux, ils naissent très vite, d'autres, ils mettent 3 ans à apparaître. En tout cas, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot d'exploration, de recherche. Enfin, moi, je considère plutôt que les morceaux, je considère chaque instrument que je fais comme des. Comment dire ça? Le beatbox, en gros, tu fais du beatbox, il faut faire du beatbox, tu vois. Pas juste faire un morceau de beatbox, pour moi c'est explorer le beatbox, donc je vais faire du beatbox avec des copains qui font du beatbox. Après la danse c'est pareil, après le chant c'est pareil, la poésie du coup je fais avec des poètes, des machins. Je cultive plein de légumes en fait, et après ça fait des compos. Chaque chose à fond, quoi. Ouais, à fond, bah, avec ce que je peux, mais oui, de base après je suis un peu autiste avec ça, donc ouais, j'y vais. Ouais. C'est très personnel à chaque fois, ce que vous écrivez. Il y a beaucoup de vous. Ouais, surtout au début, ouais. C'est marrant que tu dis ça, c'est quelque chose que j'essaie de trouver en ce moment, c'est une distance qui est, pour amener de la légèreté un peu des fois. Mais oui, c'est des. Une distance avec. Par rapport à la création artistique simplement et au propos dit dans le texte. Au début, souvent, quand tu commences à écrire des chansons, on a tous ce tic-là, enfin ce défaut, c'est pas un défaut, mais de partir dans quelque chose d'assez mélodramatique et au premier degré. Parce que c'est très impressionnant au début quand tu écris des chansons. Et je vois des artistes assez forts, je pense à quelqu'un d'ailleurs, Bertrand Belin, tu dois connaître sans doute cet artiste-là, je sais pas. C'est une star de la chanson. Où je vois ce recul apparaître chez un écrivain qui est merveilleux parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il s'y met moins dans ce qu'il écrit, mais en fait, c'est le pont parfait pour permettre au public de le prendre encore plus. Et finalement. C'est ce que je te dis dans cette distance. Bon, ça répond pas du tout à ta question, mais après, oui, moi, c'est mes expériences, mes transformations, mes questions. C'est tout ça, les chansons, quoi. Qu'est-ce que ça éveille pour vous, en un mot, la musique? Pour moi, c'est mon rapport à l'immense, à l'immensité. L'immensité. Ouais. C'est-à-dire. C'est un endroit extrêmement rassurant où il n'y a aucune. Où il y a une tolérance infinie dedans, une ouverture qui est gigantesque. Et c'est une voix profonde de joie aussi. Et de transmettre ça, c'est quelque chose. Et l'apprendre aussi, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Merci Météo. Avec plaisir.